Plus de spontanéité offensivement, parce que deux trois fois on a des situations où on fait un peu trop de touches, ce qui nous a empêché d'aller faire le break. C'est une grosse déception aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment dommage. Je suis aussi surtout déçue du contenu du match de notre équipe. Je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Et ouais, c'est de la frustration et de la déception sur ce que j'ai vu aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on en prend 3 et voilà, quand même des grosses erreurs de notre part. Donc c'est dommage. Mais c'est pas forcément défensivement qu'on perd sur ce match, parce que dans l'utilisation du ballon, on n'a pas du tout été bon ni cohérent. Donc voilà, je pense que la victoire d'Amnéville, elle est méritée dans le jeu et dans l'envie surtout. Je trouve qu'il y a une équipe qui en voulait plus que l'autre, et ça s'est vu et ça se voit aussi sur le résultat final. C'est sûr que ça met toujours un petit coup derrière la tête de prendre un but si vite, si tôt dans le match. Après, il nous reste quand même quasiment 90 minutes hein, pour faire quelque chose de correct derrière. Et puis voilà, on a couru un peu après le score avec ce but qui nous met, ça nous met une balle dans le pied. Mais ça reste anecdotique finalement parce que oui, on démarre avec un handicap, mais on a le temps de faire beaucoup mieux et de revenir dans ce match. Et on se crée très peu d'occasions finalement. Et on n'est pas très dangereux dans l'utilisation du ballon. Donc il y avait vraiment le temps et la place de faire beaucoup mieux. D'être sur le podium et pourquoi pas aller titiller la première place. Après, moi personnellement, je ne connaissais pas le niveau du championnat et les meilleures équipes. Maintenant, j'ai un petit peu plus de recul. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas si loin que ça de nos ambitions. Il faut encore travailler et s'améliorer dans plusieurs domaines parce que...
On n'est pas loin, mais on n'y est pas non plus. Donc c'est qu'il y a des raisons aussi. Donc il va falloir qu'on progresse et individuellement et collectivement. Bah oui, je pense, parce qu'en fait, je pense que la façon dont on commence le match, bah après, elles ont douté directement et du coup, bah ça nous a facilité les choses. Parce que le fait de marquer tout de suite, ça nous a mis en confiance. Et puis après ça déroule. Voilà, on a su rebondir par rapport au match de la semaine dernière. La défaite qu'on a eue, elle a été difficile à encaisser. Du coup, aujourd'hui, on a essayé, au niveau de l'état d'esprit, de montrer un autre visage. Et voilà, on n'a rien lâché jusqu'à la fin.